Hey mes petits mochi, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog parce qu'on va à Paris Manga. C'est pas du tout la photo de Paris Manga, mais c'est pas grave. Avec le chéri, on a galéré à trouver le parking comme à chaque fois. Voilà, mais ça va être une bonne journée quand même. C'est parti, let's go! I think it's Ra's al Ghul. I think he's actually the most evil because he really is. Maybe Jerome and Jeremiah as the most like. He does things not even to serve a purpose other than to be terrible, which is pretty evil. Usually. On est sur le retour. On n'a pas voulu partir trop tôt déjà parce que. Trop tard, pardon. Déjà parce qu'on avait fini notre tour en fait, il n'y a pas énormément d'activités au final à Paris Manga, donc voilà, on a vite fait le tour et puis en plus de ça, comme ça, on sera moins fatigué parce que je suis déjà claquée. Donc voilà, j'ai fait quelques petits achats, je vais vous montrer après, je pense que je vais insérer le haul directement dans la vidéo parce que sinon au final elle va être un petit peu courte et puis c'est tout. As-tu un mot à ajouter? C'était pas un mot. Et puis aussi on a vu, on a été voir l'interview, enfin la conférence des acteurs de Gotham. C'était cool, il y avait l'acteur qui joue le pingouin et l'acteur qui joue Enigma, donc c'était pas... Voilà, ils ont la même voix, c'est dingue hein. C'est ce qui arrive quand on les regarde en VO. Bref. Sur ce mes petits mochi, je vous dis à tout de suite pour le haul en attendant. Bisous! Bisous! Coucou les petits mochi! Je vous retrouve du coup 2 jours après Paris Manga parce que hier j'étais en mode flemme, voilà. Donc je rentre du boulot, ce qui explique ma tête de déterré, je suis désolée. Et en fait je voulais vous montrer un petit peu mes petits achats Paris Manga parce que je me suis dit que le vlog allait pas être très long finalement, donc... Autant que je vous montre ce que j'ai acheté. Comme de toute façon, j'ai pas acheté énormément de choses, ça aurait pas fait un haul complet, donc voilà. Donc, déjà, mon chéri s'est acheté des mangas, du coup, on a eu le droit à ce petit sac SAO qui est vraiment sympa. J'ai pas encore vu la nouvelle saison de SAO d'ailleurs, donc voilà, faut que je la regarde. Et donc, par où on commence? Ah, on va commencer par les mangas que je me suis acheté.
qui sont... En fait, j'ai acheté que des yaoi parce que j'achète mes mangas toujours dans le même magasin. Donc du coup là j'ai juste pris des yaoi. J'ai pris le tome 3 de In This World. J'ai pris Café Men parce que j'aimais bien les dessins. Voilà. Et j'ai aussi pris Brother Shuffle, pareil parce que j'aimais bien les dessins. Et en cadeau j'ai eu un petit poster de Kuroneko. Voilà. Vous avez peut-être pas envie de voir ça en fait. Je le garde pour moi. Donc voilà, j'ai trois nouveaux yaoi à lire. Ensuite, j'ai craqué sur ceci. Voilà, je voulais absolument une Q-Posket. Donc, je crois que c'est Q-Pot à la base, non? Je sais plus. Vous savez, c'est ces petites figurines avec des gros yeux trop mignons, donc qui sont normalement japonaises, je pense bien en tout cas. En tout cas, c'est écrit en japonais. Et donc, j'en voulais une d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, il y en avait plusieurs à la Japan Expo et j'ai hésité. Mais je me suis dit que j'allais en prendre une petite et que j'en achèterais peut-être une grande au Japon. Parce qu'elles étaient quand même à 30 euros les grandes. Et voilà, je me suis dit je vais déjà prendre la petite. Je vais essayer de la déballer pour vous la montrer si j'y arrive. Parce qu'il y a du scotch de partout. Vous avez dû le voir pendant le vlog, mais il y avait plein de figurines qui étaient magnifiques. Et honnêtement, j'ai failli craquer sur plus d'une figurine. Surtout celle de My Hero Academia, elles étaient vraiment trop belles. Et il y avait une Q-Pod de Newt qui était juste sublime. Et j'ai trop hésité, mais voilà, je me suis dit, pour maintenant, on va attendre. On va au Japon bientôt et on verra s'il faut, j'achèterai à la Japan Expo si je trouve pas ce que je veux au Japon. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Ah bah d'accord, elle est décapitée, il va falloir que je la reconstitue en fait. Je vais essayer de l'assembler. Bon, le socle, ça va pas trop tenir dessus, mais bon, tant pis. Donc en gros, voilà à quoi ça ressemble. Elle est trop mignonne, elle est vraiment trop chou. Je sais pas quand je vais la mettre, si je la mets sur ma bibliothèque avec mes autres figurines d'Alice ou quoi, mais elle est beaucoup trop mignonne et j'adore, je trouve ça trop chou. C'est beaucoup plus beau que les pop en vrai, mais bon, c'est pas non plus le même prix on va dire. Est-ce que vous voyez cette petite beauté? N'est-elle pas trop adorable? Elle est beaucoup trop belle. Et pour finir, j'ai acheté à Manga Story évidemment des produits Sailor Moon. Voilà, c'était impossible de passer à côté parce que c'était vraiment pas cher. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous prendre des petits cadeaux. Voilà. Donc il y aura bientôt un concours sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller checker ça. Et en barre d'infos, donc si vous voulez participer au concours, qui sera posté probablement à peu près en même temps que cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais mettre dans le concours et ce que je vais garder pour moi honnêtement. Donc ça c'est sûr, c'est pour le concours. C'est un petit strap de Sailor Moon. Je vais le mettre dans le concours parce qu'en fait je l'ai tout simplement déjà, je l'ai acheté exprès pour vous parce que je le trouve beaucoup trop beau. Ensuite j'ai pris deux eyeliners, donc celui-là ira dans le concours et celui-là je le garde pour moi. J'ai des eyeliners Sailor Moon pour les 3 années à venir, hein. Honnêtement j'en ai un d'entamé et j'ai encore 2 neufs à la maison plus celui-là, ça fera 4. Donc voilà, mais ce sont mes eyeliners favoris de tous les temps, donc voilà, il fallait que je les achète. Et donc celui-ci, ce sera pour vous, enfin l'un d'entre vous en tout cas. Ensuite, j'ai acheté ce petit neuneu Sailor Moon. Je le trouvais vraiment beaucoup trop adorable, il est trop mignon, non? Il est trop beau. Donc voilà, c'est un petit nœud, je pense plutôt pour quand vous faites vos soins beauté le soir, machin, tout ça, parce qu'il est quand même vachement voyant. Mais il est en espèce de... Comment on appelle ça? Vous savez, une matière un peu absorbante, là, un peu comme les serviettes et tout. Mais je le trouvais beaucoup, beaucoup trop chou, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà. Et pour terminer, j'ai acheté des petits masques Sailor Moon. Alors j'ai pas ouvert le paquet, je sais pas comment ça se présente à l'intérieur, on va faire ça tout de suite. Mais je me suis dit je peux pas passer à côté des masques en tissu Sailor Moon, ça me paraissait pas possible. Surtout qu'ils étaient vraiment pas chers et il y en a plusieurs dedans apparemment. Je vais regarder ça du coup. Alors il y en a 5. Et par contre c'est tous les mêmes j'ai l'impression. Mais du coup, il y en a 5. Alors par contre,
Tout est écrit en japonais, donc en vrai, je ne sais absolument pas leur propriété. Donc ça, c'est un petit peu moins cool. Ils sont à la rose, j'ai l'impression. Je pense que c'est à la rose parce qu'il y a des petits dessins de rose derrière. Mais voilà. Donc les petits masques pour le visage. J'en mettrai peut-être un du coup dans le concours en plus. Et les autres, je vais les garder pour moi, évidemment. Voilà. Il faut être égoïste de temps en temps. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté à Paris Manga. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Même si à mon avis elle va pas être très très longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Là en ce moment j'ai qu'une envie, c'est d'être au Japon et de faire les vlogs Japon. Ah, en vrai j'ai plein d'idées en tête, mais à chaque fois je suis un peu en mode flemme. Donc j'espère que je vais avoir le courage de faire mes vlogs correctement. Envoyez-moi des messages, tout ça, et dites vlog, vlog, vlog quand je serai au Japon. Mais j'ai tellement hâte d'y être. Du coup là, tout le long de Paris Manga j'étais là, ah mais ça, mais je le verrai en vrai, ah mais ça, je vais pouvoir me l'acheter là-bas, ah puis la nourriture, gnagnagna. Insupportable, je suis insupportable, insupportable. Bref, sur ce mes petits mochi, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, make the world move.